Bonjour les amis. Bienvenue chez Inoptis et Yuna. Et ouais, et on se retrouve pour la deuxième vidéo de Pokémon Bouclier. Et pour le choix du starter. Allez, bah vas-y, allez, c'est toi qui décides, là, c'est ton petit bébé, ton petit machin, ton petit youyou. Qu'est-ce qu'elle va choisir, les amis? Mettez dans les commentaires, là, vite, qu'est-ce qu'elle va choisir, à votre avis? Ah, alors, admire un petit peu le choix. Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a trois. Comme toujours, le Pokémon Plante Whistempo, oui. Le feu Flambino, et le Pokémon Oh, Armeléon. Toi, tu sais lequel tu veux. Ouais. Regardez, ils sont trop choupis. Oh, il y en a qui va là, l'autre qui va là, l'autre qui va là. Chacun dans son élément. Toi, tu vas prendre lui, je suis sûr. Tu vas prendre le lapin, toi. Ouais. Ah ouais? Ouais, ouais, gagné. Ah là là. Ils sont tous mignons, hein, à leur façon, mais c'est vrai que là, pour cette génération de Pokémon, j'ai un vrai coup de cœur pour Flambino. Il a flippé, l'autre. Oh, l'Armeléon, il pleure. Attends, c'est mieux. Non, mais c'est surtout qu'il s'appelle l'Armeléon. Bah oui. C'est cohérent avec son surnom. C'est trop mignon. Enfin, si t'as un Pokémon qui fait que tu y aller un moment, pendant le combat, faut combattre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Choisissons. Moi, j'ai déjà mon mouton. Ouais, alors moi je sais déjà qui font, hein. Flambino. Voilà, moi, les amis, ça sera un Pokémon feu. Et il est aussi mignon que le yaourt Flambi. Oh, sérieux. Toi, t'aimes bien le feu, hein. Vous savez, Yuyu, à la maison, elle met le feu partout. C'est ça. Elle met le feu partout dans Voulez-vous le jardin. Voulez-vous donner un surnom à Flambino? Non, moi, je suis pas amatrice des surnoms. J'aime bien que les Pokémon aient leur vrai nom, personnellement. Ah oui. C'est bien. Oh, ils ont fait un check, son pote. Et ouais. Ça y est. Donc du coup, l'autre, il va choisir le Pokémon O. Ah non! Il prend Whistempo. Et pourquoi? Bah du coup, c'est débile, parce qu'il aura pas l'avantage. Le feu brûle la plante, alors que s'il avait pris l'eau, il avait l'avantage. Bah en même temps, il est un peu neuneux, hein, je pense. On va s'entraîner de ouf tous les deux, je compte sur toi. Ouais, bah ça va être facile, hein. Ouais, ça va être facile, hein. On va être des glingos. En plus, le mouton, tu peux le brûler aussi. Oh, ouais. Ah bah on est dans le combat, là, les amis, ou quoi, là, attends. Mais c'est vrai que le deuxième préféré, franchement, pour cette génération, ça serait Whistempo, après Flambino. D'accord. L'Armeléon, c'est celui que j'aime le moins. C'est pas qu'il soit pas mignon, hein, mais c'est... Ah, il va être adopté. On est soulagé. Papa Dracaufeu va s'occuper de toi. Ouais, bah Dracaufeu, oh, il va te calmer. Hein. Ça rendra le métier. Et il fait 3 cm de haut. Ah, bah c'est bien, il y a à manger pour les Pokémon. Ah, bah c'est bien. Ça fait plaisir. Ah, il fait un barbecue, ça c'est cool. Ouais, regarde, il fait toujours Nabil, il est toujours à faire ça. Mais franchement, vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire, et moi je suis vraiment pas déçu, hein, de ce Pokémon pour l'instant. Je trouve que c'est très beau. Ah non, il est magnifique. Honnêtement. Moi j'ai envie, c'est de te voir évoluer là, aller à droite à gauche. Ils sont inséparables. La confiance, les amis. Bon, il fait sa grande leçon de morale et puis après il va dire voilà. En attendant, Yuna fera une rivale à l'idée à la Tibétane. Alors je suppose qu'on va avoir le droit comme d'habitude à notre premier combat. Il y a un entraînement à suivre. Je vais te montrer parce que moi j'ai 12 ans et je sais déjà tout. Voilà. Donc là on va nous apprendre, ça va être le tuto combat Pokémon. Bah trop bien. Bah ça va pas être compliqué, hein, entre un feu et une plante. Hein. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Oui bah c'est sûr. Allez Yuyu, pète-lui la tête.
Bah oui, bah non mais sérieux, ça y est, le mec qui croit qu'il, déjà qu'il est le futur nouveau maître numéro 1 Pokémon. Ah mais c'est un expert le gars, ça se voit. Allez. C'est un expert le mec. À l'attaque, à l'attaque. À l'attaque, à l'attaque. Alors, attaquer, bah j'ai charge au rugissement pour l'instant, j'ai pas d'attaque de feu en fait. C'est juste que tu peux, là. Ouais, ça va être... Y a quel suspense. Ouais, c'est le premier qui tape qui gagne en fait. Oh, il va charger l'autre. Non, en plus, je suis un peu plus fort, moi je suis niveau 5, tu vois, il est que niveau 3 sur mon tour. Ouais, c'est clair. Et par contre, tu vois, il m'affaiblit là. Oh mais il est fou ou quoi? Vas-y, charge, charge. J'aime bien parce que le terrain, il fait 1 mètre de large, et puis là, il fait 38 mètres. Et puis maintenant, il va prendre l'autre. Ah oui, bien sûr. Oh, Flambino, niveau 6. Oh, oh là là, vitesse, défense. Ah, j'ai appris Flamèche. Super, bon bah du coup... Oh, je pense que c'est fait exprès du coup qu'il utilise mon mouton en premier pour que en fait j'ai ma capacité c'est clair. Feu qui apparaissent. Et puis bah là tu le déglingues. Voilà. J'aime bien le menu de combat, honnêtement, c'est joli, avec le code couleur pour les types d'attaque, c'est sympa. C'est clair. Quoi, tu as déjà compris les affinités de type? Tu nous as pris pour un gogol ou quoi? Non mais franchement. Et puis là, c'est le drame. Au revoir la plante. Oh, il est mouru. Non, il est KO, il va faire dodo, les amis, puis il va revenir. Exactement. C'est pas grave, tout va bien. Eh bah dis donc. Ah bah niveau 7 direct. Ouais, bah quand ils sont très faibles au début, ils montent vite, mais après par contre, ils stagnent. Et en plus, j'ai gagné 400 Poké... Je sais plus comment c'est la poké monnaie. Poké dollars, c'est ça? Peut-être, ouais. Je crois que t'as raison. Mmh. Ça y est, le mec il se décourage direct. Vous avez tout donné. À l'autre il a rien foutu. Oh, il sème nos Pokémon, c'est gentil. Ouais, je sais. Bah, c'est lui qui est pas un rival parfait pour moi, je pense. Ouais. Moi je crois que. C'est pas un rival pour toi. Ouais, je sais pas, il faut quand même prendre un peu son temps, les amis. Ah, le Pokédex, ça faisait longtemps, tenez. Outil indispensable de chaque aventure Pokémon. D'accord, c'est... En plus, c'est une femme, cette fois. C'est bien. Page après page, les amis. Ouais, d'accord, il faut dire à sa maman qu'on part. Ouais, mais c'est bon. Bah, c'est des bébés encore, hein. Non, on peut pas passer. Moi, j'aime bien passer, tu vois, derrière les maisons. Ah, mais toi, t'aimes bien aller dans les décors. Ouais. J'aime bien fouiller, mais. Alors, attends, je vais quand même fouiller la maison, hein, maintenant que j'ai mon Pokémon. Bah, ouais. Si, si, ça va pas, hein, on fout le feu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, papy? C'est bien. Il s'en fout complètement, papy. Regarde le mur, et voilà, sa journée, c'est de regarder le mur. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, maman? Enfin, la maman de la vie. Ouais, un joli duo. Merci. Je suis sûr que j'aurais choisi un autre des starters, elle m'aurait dit exactement la même phrase. Alors elle dit la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, c'est le même truc. Ah tiens, on n'a pas parlé à cette personne, je crois, tout à l'heure. Ouais, voilà, il est jamais là, c'est ce que je pensais. Ouais, c'est bien, mamie, c'est la bonnie qui range la chambre. Ah non, le vieux qui s'est pourri. Le lit n'a clairement pas été fait. Ah là là. Ah bah mamie, qu'est-ce que tu fous là? Fais la chambre. Bah non, l'autre il est là, Nabil, il était à la maison jusque là, donc il peut faire son lit, hein, attends. Ouais bah franchement c'est beau. Alors on va retourner chez nous, j'imagine. Bon ça va, le début est pas trop long. Non, c'est fluide, c'était guidé sans être trop guidé. Ouais non ça va. Et le Moumouto il a défoncé la barrière après 300 fois à foutre la tête dessus, je pense. Mais tu crois qu'il est passé? Mais oui. Oui. Je te raconte pas le savon qu'elle a pris. On doit aller le chercher.
Voilà, comme ça, les ennuis commencent dès le début. Voilà, on va tout déglingos. Je vais juste faire une petite sauvegarde, les amis, comme ça. Ah oui, là, on a besoin. On n'est pas embêté. Partie sauvegardée, les amis. Voilà, allez, allons à la découverte de cette forêt. Très, très bien. La forêt de Sleepwood. C'est un slip ? Non, c'est les bois endormis. Oui. C'était une blague aussi. Je sais pas s'il y a volontairement une référence peut-être à la belle au bois dormant ou les bois, je sais pas. C'est bien, il y a de la brume en plus, moi j'aime bien. Les amis, c'est film d'horreur là, on sent. En tout cas, je trouve ça vraiment. Ah, ah bah ça y est, tu te fais choper. Ouais. Oh, un écureuil en gourmand. C'est trop mimi. Oh, c'est mimi. Mais est-ce que j'ai des Pokéballs déjà pour l'attraper? Parce que ça, c'est mimi. T'en as 5, je crois. Mm. Attends. Faut que t'ailles à gauche ou à droite, tu vois. Ouais, comment? Non. Ah bah c'est vide. Ah ah bah voilà, bon bah alors ça va être un combat. Et ça, ouais, bah si, tu peux le jouer là. Ça brûle les poils, le flamé. Oh, il a pris cher là. Rond gourmand sauvage. Il te fait un poutu. C'est son attaque. C'est ça, ouais. C'est nul qu'on n'ait pas déjà des Pokéballs. Ouais, ça commence, hein. Moi je voulais le capturer, il est trop foutu ce petit écureuil. Bah ouais. Je suppose que Rongourmand c'est le ratata de cette version. C'est ça, on dirait. Allez, on continue. Ouais. Ah, il est encore là. Oh, mais... Ah, il soigne mon Flambino. Ah bah c'est haut, oh, ça va aller. Hein. C'est pas un peu connu, les choux. Et là, blanc. Encore. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Oh, un hibou. C'est l'espèce de chouette. Mélissange. Ah, une mésange, du coup. J'ai le nom. Ah, bah ça, c'est le roucoule de cette version. Voilà, on voilà. A eu Ratata et roucoule de cette version. Ah, tu peux plus manger, parce qu'il était tendu. Ah, bah c'est... En fait, c'est hyper violent, Pokémon. Ah, c'est des combats, hein. Regarde, il me pique. Non mais là, c'est tout mignon, c'est pour les enfants, mais en fait, on passe notre temps à défoncer la gueule à tout le monde. C'est juste ça, en fait. C'est même pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est pas faux non plus. Allez, tu passes niveau 7 plus 9. Et lui, il saute tout le temps, c'est un vrai lapin, c'est bien. Tiens, genre, tu veux éviter? Bah, c'est-à-dire que là, ça sert pas à grand-chose. Ah, ça y est, lui, il va nous saouler. Qu'est-ce que c'est, maintenant? Oui, on peut bouger. Ah oui. Oui, on peut bouger, mais moi je croyais qu'il allait y avoir autre chose. Tu bah sais, comme ouais, il... Ah, encore. Ah, quelle surprise. Ah, c'est bizarre, je savais pas que ça existait. Ça, tiens. Bon, d'un autre côté, je pense qu'ils veulent qu'on gagne un peu d'XP ouais. En faisant la forêt. Et là, c'est un niveau 3 et il a brûlure, hein, il prend cher. Ouais, ça peut être un effet secondaire assez. Et en plus, il se rebrûle. C'est normal, en fait, je l'ai brûlé, donc il va continuer à brûler au fur et à mesure. Ouais, bah il va prendre cher. Ya! Ah, dommage. Presque. Et là, il va brûler. Ouais, il va avoir l'effet négatif. Et là, il est mort. Alors, pas encore. Négatif. Allez, là, on va faire un petit charme. On va pas se fatiguer. Bon, faut pas se faire trop chier. Tiens, un coup de patte dans la tronche. Hein. Je suis un petit lapin, moi, tu crois? Oup! Flambino. Bon, on gagne pas beaucoup, hein, par contre. C'est normal, c'est des Pokémon faibles. Ouais, c'est... Par rapport à nous, tu gagnes plus d'XP quand t'affrontes des Pokémon de ton niveau. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut? Oui, bah... mais si t'es pressé, arrête de nous parler tout le temps aussi. Et là, je peux plus avancer, hein. Je précise, c'est pas une volonté. Voilà, ça y est. Fallait attendre que Nabil disparaisse à l'horizon pour que j'avance. Ouais, mais c'est normal. Dans la vraie vie, moi, quand j'avance, il faut qu'il y ait personne devant. Sinon, je peux pas avancer. Voilà. Oh, la tête qui fait, là ça... Il va se passer un truc, là. Ah, ça sent, les amis. Oh! Le Pokémon légendaire de la couverture. Ce truc, Wild! Ouais, Wild voulant dire bouclier. Non, ça va pas dire bouclier. Oh, les amis, ça va être chaud. Oh, Yuyu, allez, vas-y. Allez, Yuyu, concentration. C'est shield, bouclier. Autant. Ouais, c'est shield. Ouais, lui, il est niveau 2000 à mon avis. Non, mais de toute façon, on peut pas l'avoir. Hein. C'est même pas la peine. Là, c'est un combat. Ouais, bah, non, regarde. C'est...
Bah oui, mais mec... En même temps, c'est un Pokémon légendaire, donc j'ai envie de te dire... Il faut peut-être faire fuir, non? Non, mais je pense pas qu'on peut fuir. Ah ouais? Ah bah voilà. Ah, il est en mode vénère, là. Et là, je suis sûr qu'on va s'endormir ou je sais pas quoi. On va disparaître. Ah ouais. Bah, c'est fuir, hein. Ah non, toi, tu... Non, j'essaye jusqu'au bout. Je pense que c'est fait exprès. Bah, mais il absorbe tout, en fait. Ça sert à rien, je pense. Non, mais je pense qu'il va nous faire un truc, en fait, et il va disparaître. Ah ouais, voilà. Bah, il pourrait nous déglinguer en 2 minutes. Bah oui, mais Nabil, ça fait 1 heure qu'on voit plus rien, déjà. Voilà. Ah ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Au secours ! Au secours ! Oh, ça y est, on se réveille, on voit tout, on voit la forêt. Il faut qu'on évacue de cette forêt, Yuyu. Ouais, mais on est inanimé. Ah. Il a un œil plus bas, l'autre. Ça y est, Tarak est venu à notre secours. Parce qu'on avait disparu. Ah oui. La vanne. Oh... Il l'a retrouvé. Ouais. Oh, il est avec Dracofeu. Moumou. C'est trop mignon. Bah oui, mais on était KO parce que, ouais, voilà, hein. On a mangé une choucroute, donc c'est dur de se battre après la choucroute. Bah ouais. Bah ouais, un drôle de Pokémon. Mais impossible de le toucher. Ah, ah ouais, peut-être, ouais. Non, je pense pas, non. Non, mais c'est parce qu'il a mangé une choucroute, elle était périmée. Allez, on s'en va de la forêt. Allez, on s'en va de la forêt. Très, très bien. Ouais, comme début d'aventure, ouais. Oui, bah écoute, mais c'est la vie, c'est comme ça. Exactement. Ah bah très, très bien. Allez les amis, c'est tout pour cet épisode. Yes. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de nos aventures dans Pokémon Bouclier. Ah et oui, allez les amis, à bientôt, c'était Noctis et Yuna. N'hésitez pas à mettre un masse de pouces bleus et commenter les amis, vous abonner, à la prochaine. Ciao.